entre deux gares de Paris, entre deux trains de banlieue, entre la zone interdite et les policiers teigneux, entre quelques clandestins et l'épicier marocain, la laverie qui sert d'abri et les livreuses de pain, entre un junkie qui dérive et un dealer de saumon, les hôtels à touristes, les pizzerias à pigeons. Qu'ils soient grecs ou qu'ils soient turcs, les sandwichs sont ce qu'ils sont. Si tu sais pas où aller, laisse-moi donc te guider. C'est un tout petit endroit où il n'y a plus de pays, où tous les gens qui sont là en ont vu plus qu'en ennemis. Il n'y en a pas un, je crois, qui connaisse bien son voisin. Et pourtant pour ces gars-là, c'est toujours un copain. Ça s'appelle le délice et tu es invité. Suffit d'être paisible pour être un habitué. Entre les cagates de chiens et les fientes de pigeons, un balayeur africain, ses poubelles sont caniveaux. Les feux, bouteilles de vin et leur pipi qui sent pas bon. Le calme des petits matins avant les employés de bureau. Le délice et tu les invités. Suffit d'être paisible pour y être accepté. Entre le score du militaire qui en a marre de l'armée, les voitures stationnées, entre les heures de PV, entre les cris du bidouillet et les bruits en fourgon postaux, entre 6h et 2, je sais ce qu'il te faut. C'est un tout petit endroit. On aime bien se laisser aller. On y fait du rêve de star en buvant du café. Il n'y en a pas un, je crois, qui n'aime pas la musique. Pourtant de ce côté-là, ce serait plutôt du genre éclectique. Voilà ce qu'est Paris, celui que je connais. Si le cœur vous en dit, bienvenue dans le quartier.